Je vous écoute. Vous avez parlé que la population algérienne a changé ou est en train de changer. Et là, il y a 3 secondes, vous avez parlé de la jeunesse. Et dans les projets qu'il y a là pour 2022, il n'y a rien pour la jeunesse. Je vois rien pour la jeunesse. Notre jeunesse algérienne. Qu'est-ce qu'on fait pour cette jeunesse La salle sur polyvalente. 2022? Hors la salle polyvalente, pour qu'ils puissent se marier, bien évidemment. Pour la jeunesse. Il n'y a pas pour la jeunesse. C'est pas différent. D'abord, j'ai demandé à Christelle et je lui ai demandé de remettre en place la semaine de la jeunesse, qui n'existait plus depuis plusieurs années. Premier point. Deuxième point, je dis à Guy Valentin, je veux que tu me remettes aux normes que les équipements publics et sportifs soient vraiment bien adaptés par rapport aux sportifs. Concernant la jeunesse, je vous rappelle dans notre programme, pardon, chers collègues, on avait parlé de la maison de la jeunesse. C'est un dossier sur lequel je travaille. L'État, la région, le département. Nous sommes sur le projet, c'est très long, surtout en ce moment avec les régionales et les élections qui sont en train d'arriver. Nous faisons des allers-retours. Qui même mieux pour en parler que Christelle et Guy, parce que vous suivez le dossier aussi bien que moi. Donc, la semaine de la jeunesse, elle est publiée, elle est présente. Il y a beaucoup d'actions qui vont être menées cet été. Ça, c'est des choses que nous sommes en train de débattre. C'est dans le cadre, justement, ensuite du budget qu'on peut vous dire voilà ce qui est défini et de quelle manière c'est défini. Mais la jeunesse n'est pas oubliée. En tout cas, me concernant, j'ai mis une priorité cette année pour que la jeunesse puisse reprendre vie ou tout au moins voilà, se retrouver à travers nous, mais en tout cas nous le rendre bien. Nous soutenons. Alors, on ne doit pas connaître la même jeunesse, vous et moi, monsieur le maire, parce que je vais, pour une fois, faire les choses dans le sens inverse, parce que vous venez toujours, venez me voir au sein de la ville, je vais vous donner tel dossier. Parce que nous, on va et on est sur le terrain, on rencontre la jeunesse le soir, après 20 h, pas avant. Est-ce que vous êtes disponible après 20 h? Ça, je ne sais pas. Et je vous propose, vous, avec nous, l'opposition, d'aller voir la jeunesse qui est dans la ville de vos jours, dans les rues valjoviennes. Un peu partout. Je pense qu'on peut vous donner quelques rues de vos jours où il y a de la jeunesse et parler avec eux. Parler avec eux. Juste à écouter ce qu'ils ont à dire. Ils ont plein de choses à dire. Et qu'est-ce qu'ils répondent? Il n'y a rien pour la jeunesse sur la ville de vos jours. Ça, c'est ce que j'entends le soir quand on se déplace sur le terrain. Donc moi, je vous propose, dans l'autre sens, cette fois-ci, de nous accompagner, vous, en tant que maire. Ça peut se faire. Hein. C'est pas grave, c'est un peu la démocratie, et de se rendre pour rencontrer la jeunesse, et vous allez écouter de vous-même ce que la jeunesse dit. La jeunesse valjovienne, je dis bien, la jeunesse valjovienne. Ils disent vraiment qu'il n'y a rien pour la jeunesse. Surtout avec l'augmentation de la population, vous l'avez dit vous-même que aujourd'hui, la population est en train d'évoluer, et donc il y a de plus en plus de jeunes, et il y en aura encore de plus en plus dans les prochains mois et dans les prochaines années. M'intéresse. Non, mais sérieusement, ça m'intéresse. Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour cette jeunesse, la nuit, à vos jours? Mais on n'est pas là pour proposer quoi que ce soit, en fait. Ça m'intéresse, hein, c'est pas la flagornerie, c'est Non, mais pas. attends, mais il y a un moment donné, Voilà, vous soyez êtes quoi. élu. Mais ouais, Mais attends, laisse-moi répondre, s'il te plaît. je me rappelle de vous, M. Da Silva, quand vous étiez dans l'opposition, il n'y a pas très longtemps, de ce côté-là. Non, mais c'est ça qui est surprenant, c'est que vous êtes passé de l'autre côté, et maintenant vous demandez les idées de l'opposition pour que vous puissiez les utiliser. Mais il n'y a pas de souci, un jour. Dans un premier temps, Monsieur Da Silva, j'ai proposé au maire de venir un soir avec nous, rencontrer dans un premier temps la population valjovienne, jeune, faire un constat dans un premier temps. Juste faire un constat. Non, mais je vous dis, on va essayer de faire les choses dans le sens inverse. Mais quand vous étiez dans l'opposition pendant quelques années, peut-être certains dans le public ne le savent pas, mais vous étiez dans l'opposition, vous n'avez jamais donné, et moi j'étais aussi à votre place, certes, pas beaucoup, mais j'étais aussi dans la majorité. Mais j'ai jamais entendu M. Da Silva donner des idées à la majorité à l'époque. C'est pas ce soir que ça a commencé. Non, arrêtez, M. Da Silva, pas à moi, s'il vous plaît. Bon, écoutez, j'ai pas entendu votre réponse. Oui, non, mais c'est pas grave. J'ai bien entendu des propositions. Faites des propositions. Alors, M. Da Silva, excusez-moi, je vais vous donner un rendez-vous, moi aussi, comme M. le maire fait, et je vais vous donner plein d'idées. S'il vous M. Da plaît, Silva, s'il vous plaît. Prenons rendez-vous ensemble et on se retrouve S'il vous pour prendre plaît. un café. J'ai pas de bureau comme vous pouvez en avoir. Un café au Brazza,
Et on va discuter. Je vais vous donner quelques idées. C'est pas un café que je veux prendre avec vous, c'est une proposition que j'attends. Oui, mais. Pas de café, j'ai pas besoin de vous, je peux boire des cafés la nuit. Non, s'il vous plaît, je pas besoin de moi. Monsieur Prunard, je vais donner la parole à qui veut l'entendre, vu comme Mme Merval la voulait. Voilà. Et après, on essaie de passer le. C'est mon proposition. Monsieur Prunard, pour répondre à votre question et votre invitation, sachez que je ne vous ai pas attendu. Parce que ça fait déjà à deux reprises où j'ai rencontré des jeunes avec qui j'ai discuté. Une fois, on a eu un projet avec eux. On les a même sollicités pour créer une association. J'attends parce que M. Connard est occupé à discuter. Donc, j'ai rencontré effectivement des jeunes. Nous avons, avec M. Le Maire, nous les avons reçus, avec Mme Martinez, avec le directeur que nous avions. On était partis sur de bons projets. Les inclure dans le tissu associatif, de leur trouver un endroit où nous allons faire des structures. Donc tout ça, c'était bien parti. Et petit à petit, ça s'est filoché. Plus de contact. Donc j'ai relancé plusieurs fois. On m'a expliqué, on est reparti sur des projets personnels au niveau du travail. On comprend. L'opération a été relancée. Alors là, vraiment, j'étais très optimiste, puisqu'il y avait dans le lot un jeune, il doit avoir peut-être la trentaine, qui était valjovien, qui avait son entreprise, etc., et qui souhaitait vraiment créer une association. Nous avions échangé avec le président du FC Beaujour, parce qu'il voulait faire du foot. Alors on s'est dit, il y a quelque chose à faire en partenariat. Créer une association, on va faire comme ci, on va faire comme ça. J'ai relancé à maintes et maintes reprises à cette personne en lui disant, ça en est où? Créer votre association, on peut vous aider. Plus d'images. J'ai relancé, même quand on m'a expliqué qu'on partait sur un autre projet professionnel, j'ai dit à ce gars-là, écoute, si dans ton entourage tu as des potes qui veulent continuer le projet et qu'on avance, qu'ils n'hésitent pas, tu leur donnes mon numéro de téléphone. Ouais. Hein, parce que je donne mon numéro de téléphone et mon téléphone perso. Voilà. Donc oui, on a essayé et on est toujours ouvert. Après, je veux bien comprendre que certains ont du mal peut-être à venir nous voir, mais en tout cas, la main, je l'ai tendue et je l'attends toujours. Sauf que quand on relance pour dire, venez, qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus? Donc on garde toujours nos projets qu'on veut faire, parce qu'ils serviront, on vole, oui, c'est très bien. Non mais parce que c'est pas grave. Ne nous donnez pas de leçons parce qu'on va quand même au contact. Après, si ça ne suit pas, c'est pas pour autant que nous on abandonne les projets qu'on veut faire, puisque ça fait un moment que je suis en lien avec le département sur des choses qu'on veut réaliser sur Burlot. Ça ne se fait pas comme ça. Donc n'importe quel public qu'il y aura, puisque forcément le projet qu'on veut faire, ce sera pour les jeunes, pour les centres aérés, et on serait vraiment ravis que notre jeunesse nous suive, mais bien au contraire. Alors, je peux prendre la parole? C'est lunaire. Est-ce que je peux prendre la parole? J'aime bien mon truc. Parole, ça y est, c'est bon. Madame Merva. Merci beaucoup. Quelle belle parole. Oh, c'est extraordinaire. Moi, je suis contrainte et forcée de prendre la parole parce que, en tant que professionnelle, en insertion professionnelle pour les 16-25 ans dans une commune limitrophe à la nôtre, je peux vous assurer que de travailler avec la jeunesse est un métier qui ne s'apprend pas du jour au lendemain. D'accord ? Donc, vous avez votre rôle d'élu pour effectivement impulser, puisque votre rôle, c'est d'impulser des projets. Mais vous avez des équipes derrière de terrain qui sont censés être là au quotidien pour accompagner notre jeunesse dès le plus jeune âge, parce que 30 ans, monsieur Guy Valentin, on n'est plus forcément sûr de la jeunesse. C'est très jeune, non ? D'accord. Maintenant, de vous entendre dire, on a proposé la création d'associations. Avant ça, il y a un réel travail d'observation, d'écoute, de compréhension. De confiance. Vous exposez de remettre en place la semaine de la jeunesse. Très bien. Que veut dire la semaine de la jeunesse? Parce que pour moi, aujourd'hui, ça ne reste qu'un titre. On peut tout y mettre dans cette semaine de la jeunesse. La semaine de la jeunesse, elle a été créée avec qui? Avec vous seulement? Ou avec la jeunesse valjovienne? Puisque l'idée, c'est de créer un projet en fonction des besoins et des attentes qui découlent de cette jeunesse.
Donc à un moment donné, moi, je veux bien entendre tous vos projets, toutes vos ambitions d'aller chercher auprès du département, de la région, de l'État. Mais il y a un moment donné, sur le plan local, au quotidien, tous les jours. Vous savez, pour travailler avec la jeunesse, on n'a pas forcément besoin de 1000 et des 100. On n'a pas besoin forcément d'avoir énormément d'argent pour pouvoir pondre un projet. On a juste besoin d'une continuité. Et de compétences. Et de compétences. Aujourd'hui, quand on voit le secteur d'animation de vos jours, on se pose énormément de questions. Donc moi, dans mon rôle de professionnel, je m'inquiète pour cette jeunesse valjovienne qui est en train de grandir. Nos petits sont en train de devenir grands. Et du coup, aujourd'hui, encore une fois, sur une question de perspective, d'accord ? Si on n'est pas sur ce qui va se passer le mois prochain ou dans 6 mois, on est vraiment sur de la réelle perspective. Voilà, moi, je m'inquiète vraiment sur ce public-là. Et j'aurais aimé, dans vos points énoncés pour 2022, voir un projet concret, pérenne, parce qu'une semaine de la jeunesse, ça dure 7 jours, hein, n'oublions pas. Après, il y a toute une année où il faut contenter cette jeunesse. Donc voilà, je trouve ça regrettable, vraiment. Après, effectivement, on pourra passer au vote. Mais moi, ce qui me choque, je crois d'autant plus, excusez-moi, c'est que monsieur Valentin, vous avez pris la parole et je l'ai noté, c'est que vous avez dit quand ça fait quand même 2 ans, ça va faire 2 ans que vous êtes maire adjoint au sein de cette municipalité, et vous avez dit que vous avez eu une approche auprès de la jeunesse par 2 fois. Deux fois en 2 ans. Il a bon dos le Covid. Deux fois cette année. Hein. Ça remonte la première fois il y a avant le Covid. Ouais. D'accord. Bah c'est encore pire. Après il y a eu la fin du monde. Non. C'est après tout s'est arrêté. Non. Et après ça c'est. J'ai aussi une relance. J'espère qu'on arrivera au moins 3 fois l'année prochaine. Vous vous rapprocherez du UFC Beaujour. Je vous demanderai confirmation. Il n'y a pas que le foot dans la vie. Il n'y a pas que le foot, mais beaucoup de jeunes sont intéressés par ça et d'autres choses. On veut tous devenir des Kylian Mbappé, forcément. Bon, moi le premier. Sachant que la personne de la trentaine. Je reprends la présidence. Deux fois. Excusez-moi de vous interrompre tous, autant que vous êtes. On n'est pas là pour parler de la jeunesse, on est là pour parler d'un rapport d'orientation budgétaire. On n'est pas là pour faire des remarques des uns et des autres. Il y aurait beaucoup à dire. Il y a un moment, on va parler de la jeunesse. J'aimerais qu'on vote ce rapport. Christelle.